STV, votre télé. For the first time as Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dziongote receives New Year wishes from his close collaborators and workers at the Prime Ministry. The high points of that occasion in Yaoundé today, right ahead. Life is gradually picking steam in the northwest and southwest regions after Ghost Town paralyzed economic activities for days. Inhabitants will tell us in this newscast how they coped during the lockdown period. Those are headlines, developments right ahead. And gentlemen, thanks for joining us. You're watching the English primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We thank you for joining us. We are kicking start right away in the French language with Guénin Assis Moto. Bonsoir, Assis. Bonsoir, Peter Nsossi. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre livraison. C'est l'information en temps réel sur Spectrum Télévision. Commençons donc ce journal avec la cérémonie de remise de vœux de nouvel an au tout premier, au nouveau ministre chef du gouvernement, le premier ministre du gouvernement, qui a donc reçu de la part de ses collaborateurs les vœux de nouvel an. Une cérémonie qui intervient après celle du président de la République, du président du Sénat et celui de l'Assemblée nationale. Signalons que Joseph Dziongote, pour la première fois en tant que Premier ministre, a reçu les motivations de ses collaborateurs et qui se sont engagés à le soutenir dans ses missions. Le compte rendu d'Olivier Bouzique. Le contact officiel avec les personnels de ses services ainsi que ceux des services rattachés à la primature depuis sa nomination à la faveur du remaniement ministériel du 4 janvier dernier. Joseph Dziongote, le nouveau Premier ministre, a reçu les vœux du nouvel an de ses collaborateurs. Au-delà des vœux, il est temps pour eux de lui signifier qu'ils sont à son entière disposition pour l'aider à relever les nombreux défis qui l'attendent. Ensemble, ils sont appelés à piloter l'implémentation de la politique gouvernementale que le chef de l'État a orientée vers trois axes prioritaires dans son discours de fin d'année. Rétablir la sécurité, conforter la croissance économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Des objectifs qu'ils se sont engagés à atteindre dans cette nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Nous attendons beaucoup de lui, le changement dans le cadre professionnel, le changement dans la nouvelle impulsion en ce qui concerne la gestion des affaires publiques et aussi beaucoup d'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui, je suis d'autant plus satisfait de savoir quand même que pour une toute première fois, nous avons intégré, ou alors les organisateurs ont intégré toutes les parties, y compris nos personnels qui ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite. Donc aujourd'hui, je suis très content. C'est la dernière de Paul Gogoumou, directeur du cabinet de l'ex-premier ministre Philemon Yang, puisqu'il est appelé à la présidence de la République pour y officier en tant que ministre chargé des missions. Il faut noter que cette cérémonie de remise des vœux au nouveau Premier ministre Joseph Dziongote s'est déroulée suivant l'architecture des cérémonies de remise des vœux hier au président du Sénat et bien avant au président de l'Assemblée nationale. Bref, sans discours, contrairement aux années précédentes. Now, Bamenda, chief town of the northwest region, is gradually regaining steam after almost a week of ghost towns. Though commercial activities have resumed, inhabitants are lamenting huge economic losses due to the lockdown period. Gajua reports. For more than 5 days down the line, the town of Bamenda has been experiencing a serene atmosphere with deserted streets, a situation popularly known as ghost town, as inhabitants of the town are made to stay back at home. But today, the town is most populated, with people going about their various activities as the streets are jam-packed with business operators and passers-by. Business persons who have for some days now been deprived of operating explain their demise within the past days. We always sit in the house, and that has caused a lot of damage. The economy is already down. Nothing is moving in Bamenda. We feel a lot of pains. Town was not easy because all this while, we're just there in the house, no movement, with the means
to even buy something. There was no way. When I heard about the boost down, I went and park my bike. When I first I said, no, I know what happened with my bike. The town is not paid fully. So I decided to have a small portion of farm beside my farm, my house. So I'm there working my farm for a while until I heard that the town is open like today. For now, I'm feeling fine in the town working. I spent my time doing laundry. That was one of the things that I was doing for that process. However, business operators say they are happy to get out of their homes today. Everybody likes goodness and happiness. And to see friends and see how people are moving like this. So when the town is short, I'm very disturbed. So for now, I'm very happy. I'm praying that this town should continue to be moving like this without no disturbances. The insecurity problem in the region is becoming tense, reason why the inhabitants of Bamenda say they trust in God for normalcy to return to the region. It is a similar return to normalcy in Boya, chief town of the southwest region of the country, after ghost towns and gunshots are characterized yesterday. Inhabitants of Boya say the persistent ghost town is hampering economic activities in the municipality. They are asking authorities for concrete actions to end the prevailing crisis in the region. We have details in the following report. The cry of meeting up with financial duties such as the payment of taxes, house rents, related bills and family upkeeps are glaring effects suffered by business actors in Boya after observing day two ghost town, which swept off the movement of cabs, lockdown of businesses and even had to paralyze the famous Munya market from holding, which usually brings together locals from all looks and corner within the region. It affects us because we're not working, no car, we're moving. So we have to be in the house indoors. And if you give us 2 days of ghost town, you have killed us. We have bills to pay. The council comes here all the time. Taxation comes here all the time. We cannot explain to them that we are not selling because the businesses are not moving. They come and they need to take their money. Whether I like it or not, they seal your shop. Describing reasons for this horrible scenario is what this sufferer seeks to answer. I left the house and I was coming and somebody told me there was ghost town yesterday because they took the Ambazonia leaders to court. So I think that's just the reason for yesterday's ghost town. With measures put in place by the government stemming from the release of more than 200 detainees, coupled with the creation of Bilingualism and Disarmament Committee, something is still not enough to solve the problem. I cannot tell because we are only hoping for the government to do something. I think for the dialogue to overhead, the government needs to release all the guys they locked up. Because releasing some and letting some be, I don't see a need why you should remove some people and let others when they were struggling for the same thing. I heard they have arrested more than 1,000 people. Now you released 280 something people. It doesn't make sense. Release all the guys. It should be recalled that this is the second time the Southwest region is witnessing an unhealthy atmosphere staged by separatists whenever Sisiku Ayoktabe and comrades are dragged to court for hearings. Hence, majority holds that releasing them will be a halfway gone in putting an end to the devastating situation. Shipping and logistics experts from Dubai and India have called on Cameroonians to invest and show more interest in the sector, which is providing thousands of jobs across the world. They made the appeal during a seminar here in Douala. John Paul Samar reports. In a bid to ensure that the transport and logistic domain in Cameroon meets international standards, all hands need to be put on deck. With the Cameroon, with the kind of 17 million population you have, the education industry is not yet mature. Logistics and shipping is a huge area where countries like India, US and advanced developed countries still trying to find place in the domain. So Cameroon must start learning and understanding logistics and shipping knowledge right from today, right now, so that you guys should not take so much time like India. We took so much time to understand logistics and shipping, the importance of it. As Cameroon will develop in future, the most unemployed youth in Cameroon should look forward for a career in logistics and supply chain. Because you may think only, I'll become an engineer, I'll become a doctor, I'll become a lawyer. Other than these three, you have so many other professions also. We're here to support Cameroonians, Douala citizens and every student. We will help you to remove unemployment.
To make this a reality, a seminar on logistics and shipping has been opened in Douala, bringing together experts in this sector from major countries around the world to share their expertise with Cameroonians in this domain. To do this, we have to help Cameroonians know the importance of logistics, shipping, supply chain and transport. We cannot do this by ourselves. So we got our partners from India and Dubai, that's from the Indian Institute of Logistics and the Good Ocean Maritime Institute of Logistics in Dubai, to help us build this awareness in the minds of Cameroonians, especially young Cameroonians who are still aspiring to get into the industry, and even those who have no idea of the opportunities that this industry has to offer. We always have expatriates coming to take the best jobs in logistics because we do not know where those opportunities are, and we are not prepared. We do not have the skills to grab those opportunities. That's why we thought with this series of professionals in logistics, we are going to help many more Cameroonians to be aware, first, of the opportunities that exist, and secondly, to start their journey into acquiring skills that will help them take advantage of these opportunities. Even the customs sector, which is highly involved in this chain, is not left out. Customs service happens to be part of the link. The customs service will not assess custom duties on goods that are still in Europe or in America if those concerned with transport do not bring the goods in. The bonded warehouses and the logistics that are not available, the customs service will not do its part of the duties, which is assessing the goods and having duties paid. At the end of this seminar, it is expected that the participants gathered necessary know-how to start a career in logistics and shipping and will all receive internationally recognized certificates. Les dossiers des prestataires de la ville de Douala seront désormais traités avec célérité. L'assurance de la communauté urbaine de Douala, celle-ci, vient de tenir une rencontre avec ses opérateurs, occasion saisie par ces derniers de soulever les difficultés auxquelles ils font face au quotidien. Oriente donc un Jules Poyeté, voici le reportage. À côté des traditionnelles difficultés de trésorerie, les prestataires de la ville de Douala ont relevé des lenteurs administratives à la communauté urbaine de Douala. La super mairie a pris note et les mesures qui s'imposent. Les problèmes ont été relevés et que nous aussi, à l'intérieur de la communauté urbaine de Douala, qu'on change certaines habitudes. Je les donne donc rassurés qu'on a fait l'état des lieux qui nous a amenés à réorganiser nos services dans le sens d'amener plus de célérité dans le traitement des dossiers, d'amener plus d'implication du personnel dans le traitement de ces dossiers, mais assorti aussi de mesures de coercition, de telle sorte que nous n'ayons plus les retards dans le traitement des dossiers. J'ai dit. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, maître d'ouvrage et les prestataires, ont eu ce 10 janvier 2019 leur traditionnelle rencontre destinée à faire l'état des lieux des différents chantiers de la ville. Assainissement, éclairage public, bâtiments, routes et autres infrastructures ont été passés en revue. En dehors des marchés pour lesquels le délégué n'est pas maître d'ouvrage, il y a 63 km linéaires de route en stock en termes de marché, soit qui ont démarré, soit qui sont arrêtés, pour un montant de près de 100 milliards de francs CFA. C'est donc un stock, si on le déploie sur le terrain, il y aura un changement, une amélioration notoire des conditions de vie des populations au point de vue mobilité. Nous n'avons pas parlé de la vingtaine de kilomètres linéaires dus au projet Planut. La salubrité dans la ville a également été évoquée. Pour ce qui est donc du ramassage des ordures, sachez que il y a deux parties. Il y a la pré-collecte, où nous avons donc d'autres entreprises que Isaacam
qui vont travailler dans les sous-quartiers en collaboration avec les maires, les associations, les forces vives du quartier pour ramener les déchets dans les points de ramassage. Hein? Ça nous évitera aussi que beaucoup de déchets échouent dans les caniveaux et les drains. Le maître d'ouvrage a rappelé que 3 mois de bonne saison ont été perdus. Il faut donc mettre à profit les 6 prochains mois afin qu'à l'horizon juin, que les changements soient visibles. Les différents protagonistes se sont séparés, pleins d'optimisme, afin que les travaux reprennent, mais avec beaucoup plus de célérité. The rehabilitation of the Babajo-Bamenda Highway and then Dop-Elak-Oku Road are some of the projects earmarked for execution in the 2019 state budget for the Northwest region. This was revealed during the launch of that budget in Bamenda, which stands at about 14 billion francs CFA. Gajo reports. Over 14 billion francs CFA has been adopted as 2019's financial budget for the Northwest region. This was during a meeting at Minipad, chaired by the representative of the governor that brought together regional and divisional delegates, financial institutions, mayors and Minipad officials who had as aim to take stock of last year's difficulties in the execution of its budget. We should take stock of all the difficulties we encountered in the execution of the budget in 2018 and appropriation of all the innovations that are coming in this year. And on our part, we are going to integrate the security concerns to be able to create an enabling environment for the collection of revenue in our region and then also monitor the quantitative and qualitative execution of the 2019 budget. The regional delegate of Minipad says many projects in 2018 were not realized. The sociopolitical situation of the region, the immaturization of some projects, the contractors face the problem of small payment, slow payment of their bills at the level of the state treasuries. The financial institutions, the commercial banks, could not accompany these contractors in the execution of their job. The regional delegate of Minipad outlines the major projects to be carried out in 2019. The execution of Babajo-Bamenda Road and the road from Dop to Elak-Oku, the continuation of works at the regional delegation of basic education. These measures have been put in place to ensure the smooth execution of the 2019 budget. The first element is respecting the monthly meetings which are supervised by the governor and the senior divisional officers. We are going to encourage the award authorities to use the fast track in the award process. We also encourage the contractor not to wait till the end of the execution before taking the bills to the treasury. Inhabitants of the Northwest region have been advised to assist contractors in the execution of 2019 budget. Lancement du budget 2019 dans la région du Sud. Les principaux acteurs de la commande publique de cette partie du Cameroun ont pris connaissance des priorités de l'investissement public dans cette partie du Cameroun. Nous sommes là dans la région du Sud. C'était au cours d'une rencontre présidée par le gouverneur de la région du Sud. Martin Lembar nous en dit plus dans ce reportage. En vue d'une exécution optimale, 8 milliards pour le fonctionnement et 9 milliards pour l'investissement, c'est l'enveloppe globale accordée à la région du Sud pour l'année budgétaire de 2019. Le parachèvement de l'hôtel du Comis, le bitumage de la route Mengong Sambilema et la construction d'un bloc pédagogique à l'INSEP de Bolova sont les priorités de l'action gouvernementale dans cette partie du pays. C'est la principale information à retenir de cette cérémonie présidée par le gouverneur de la région du Sud et assistée d'une forte délégation venue des services centraux, les principaux ministères en charge de l'élaboration du budget de l'État. 34% de réalisation des investissements publics dans la région du Sud l'année dernière. Pour cette année, les pouvoirs publics voudraient voir revu à la hausse ces chiffres. C'est pourquoi des délais ont été prescrits à l'action des maîtres d'ouvrage. Outre cela, il est également prévu des mesures d'accompagnement à l'action de ces décideurs afin d'une meilleure réalisation de ce budget. Au niveau de l'engagement, nous avons 10 jours. Au niveau de la liquidation, 14 jours. Au niveau de l'ordonnancement, 3 jours et la prise en charge, 14 jours. Ça, c'est la première des mesures. La seconde tient au renforcement de l'accompagnement des acteurs impliqués dans l'exécution de la dépense publique. Il s'agit tout simplement de mettre en place
une ingénierie d'accompagnement des acteurs. En ce qui concerne la décentralisation, les maires ont été appelés à faire preuve d'efficacité pour une meilleure utilisation des ressources à eux affectées. Technique et territoriaux rythment l'existence. La voirie municipale fait peau neuve dans la ville de Déa. Des engins de la communauté urbaine sont à pied d'œuvre pour réhabiliter certains arcs, à l'exemple du tronçon Carrefour Bayon Lycée Technique, abandonné il y a 20 ans aujourd'hui. Cet arc est une voie d'accès facile pour les élèves commerçants du quartier Pongo, Saint-Palmier et autres lieux environnants. Didé Nabao et Salomon Beyas. Abandonné il y a plus de 20 ans aujourd'hui, cet axe est une voie d'accès facile pour les élèves commerçants du quartier Pongo, Saint-Palmier et autres lieux environnants. Pour la communauté urbaine d'aider à construire et réhabiliter les routes dans la localité est une priorité dans le budget 2019. Les engins sont en train de faire la propreté sur la route et c'est une très bonne chose qu'a pris l'initiative qu'a prise le délégué du gouvernement pour essayer de réhabiliter cette route qui a été à un moment donné très abandonné. En attendant, l'on s'emploie à recouvrir la route par le puzzle afin de permettre une bonne mobilité des personnes et leurs biens, le bouchonnage des nids de poules, bien que moins durable. En éducation à présent, le centre des conférences de l'université de Chang vient d'abriter une table ronde sur les bienfaits de la préservation du patrimoine linguistique et culturel dans le processus de développement. Au cours de cette rencontre qui a réuni autour d'une même table des experts en la matière, un point d'honneur a été mis sur la biodiversité linguistique et culturelle qui caractérise le Cameroun. Reportage. Sujet fixe. Attention cristallisée, stylo habile et bloc-notes à main pour la prise des notes, telle a été l'attitude observée chez ces amoureux du savoir, venus ce jour s'abreuver à bonne source afin d'acquérir le savoir qui aide à construire une nation unie dans sa diversité linguistique et culturelle. Nous sommes au centre des conférences de l'Université de Chang. Ici, se tient une table ronde autour du thème diversité linguistique et culturelle, dynamique sociale et problématique du développement au Cameroun. Elle est initiée par l'Université de Chang et le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines, le CEDOTOLA. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'aborder, n'est-ce pas, la question de diversité ethno-linguistique, ethno-culturelle. Et nous avons dit que dans un pays aussi diversifié que la nôtre, la diversité se trouve être un bien, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Pour cette première grande conférence au sein de l'institution depuis le début de l'année 2019, universitaires, autorités administratives et traditionnelles ont massivement honoré au rendez-vous, preuve que les sujets évoqués ici sont interpellateurs. La cohésion sociale doit être l'objet principal de chacun et que l'État a sa responsabilité dans cette construction de la nation pluraliste. Au sein de cela, on se veut rassurant. La machine de la sauvegarde et de la promotion des langues et cultures est bien en marche. Le développement du Cameroun passe aussi bien par là. La conférence de ce mercredi est venue ajouter de l'eau au moulin. Sans chaise, une enseigne lumineuse et des primes ont été offertes ce jour au lycée bilingue d'Aïdouve Douala par ses anciens élèves, promotion 1990. En plus des dons, la cérémonie était aussi l'occasion d'exhorter les élèves à plus de responsabilités. Inès Pangan et Gilbert Manga y étaient. Voici leur reportage. Appeler les élèves à plus de discipline dans la poursuite de leur scolarité, à éviter le tabagisme, le tramol et l'alcoolisme, inviter les filles à être toujours parmi les meilleures, ce sont des exhortations qui ont été données ce 11 janvier 2019 aux élèves du lycée bilingue de Deido à Douala par des anciens élèves de cet établissement, promotion 1990. De savoir que seule l'école est la clé du succès, parce que même si vous voulez mener n'importe quelle activité dans la vie quotidienne, il vous sera important de savoir lire et écrire.
Si vous voulez être footballeur, comme l'a témoigné un ancien élève, il faut savoir lire pour pouvoir parachever un contrat. En plus des conseils, ces élèves réunis dans une association ont fait un don de 100 chaises, une enseigne lumineuse et des primes aux meilleurs élèves de chaque niveau de cet établissement scolaire d'enseignement secondaire public. Pour remercier cet établissement, on a décidé de revenir par là parce qu'on a nos petits frères, nos enfants qui sont dans cet établissement et on pense que en leur donnant cet exemple, eux aussi feront pareil pour leurs petits frères et leurs enfants qui viendront plus tard. Parce que quand, lorsque l'État crée un établissement, ce n'est pas toujours pour l'État, ça devient un établissement de la population. C'était au cours d'une cérémonie à la cour principale du lycée et le proviseur du lycée bilingue de Deido a été faite présidente d'honneur de la dite association. Out of the country, doctors in Zimbabwe have called off a 40-day strike. They called to demand better pay and working conditions. The government says the strike resulted in patients unnecessarily suffering and some dying. But to patients and health workers, their return is a welcome relief. We have details with the VOA. Patients trickled into Zimbabwe's largest treatment center Thursday as doctors called off their strike after 40 days and returned to work. One of the patients is 48-year-old Phyllis Mukundu, who has had chest pains for over a month, but due to the strike, was unable to get treatment. Mukundu struggles to walk and talk and requires help from her mother. I am happy to hear that the doctors are back, but my daughter is yet to be attended by any of them. I am looking forward to her full recovery, then I will know that their return is good news. It has been a long time that she has been in pain. Zimbabwe's doctors went on strike December 1, demanding better payment and medicine for hospitals and to be paid in US dollars instead of Zimbabwe's currency, the depreciating bond notes. Health officials Thursday showed reporters the new hospital supplies government provided to help end the strike. We're going in the right direction. We are very happy that they are back. You know, we always want them to be back at work. We've always called for everybody to be back at work, and we're happy that they've heeded the call, because it's for the benefit of all our patients, it's for the benefit of Zimbabweans. Announcing the end of the strike, doctors stated that President Emmerson Mnangagwa's government met their demands regarding the equipment and medicines. But the doctors conceded on one of their key desires to be paid in US dollars. While the compromise could weaken the position of teachers also striking for US dollars, for patients like Mukundu, the deal could be a lifesaver. Columbus Mavunga for VOA News, Harare. And that does it for this edition of the Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We thank you very much for your kind attention. Join John Paul Sama and Makeda Lidinotum tomorrow for the weekend Bilingual News edition. From us, it's good night and a great weekend. Good night, Nassis. Bonsoir, Peter Soucier, Mesdames, Messieurs. Bonsoir, Peter Soucier, vous l'a dit. C'est une autre équipe que vous retrouverez demain dès 20h. Restez fidèles, Mesdames, Messieurs. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir. STV, votre télé.